Eh ouais les mecs, attention, Rapfest jour 2 le dimanche, et là je viens de croiser les copains qui organisent depuis un petit bout un super fest classique rock comme on les aime. Avec une super connexion avec le Rapfest. Eh bah bien sûr, c'est un peu comme une espèce de cousinade, c'est ce que je veux dire. Ils sont derrière moi, j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir une sommité, hein, Philippe Lemort, et le président, Mr. President himself. Il y a un service de sécurité tout autour, donc je ne peux pas bouger une oreille. Monsieur le Président, parlez bien dans le micro. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ben ça va très bien, et toi? Ah ben carrément, super fesse, super soleil. Nickel. Et on vous croise au détour, hein, d'un groupe qui est en train de jouer. Et je dis tiens, paf, bim, voilà. Boum. Génial. On se fait une petite interview comme ça. C'est et tout. Moi, je veux tout savoir sur le festival que vous organisez. Allez, à vous de jouer maintenant. Sur le Bullion Rocks. Carrément. Allez, on y va. Bullion Rocks, c'est une histoire qui commence à dater, puisque ça remonte déjà une dizaine d'années. Ouais. Donc avec essentiellement un fest tous les ans au mois d'octobre. Après, on en a rajouté un deuxième au mois de mai. Donc ça faisait deux. Là, on est revenu à un. Bon. Et donc le prochain. Ce sera le 22 octobre. Hein, samedi 22 octobre, à Bully-les-Mines, toujours au même endroit, ouais. À l'espace François Mitterrand. C'est en salle. C'est en, c'est salle. En salle. Alors, ouais. C'est une salle très spéciale, genre amphithéâtre avec 300 personnes, wow, maxi. Pas mal. Ouais, la classe, ça plaît quand même, le ça plaît au groupe quand même. Il, hein, rigole, ouais. Pas, il rigole pas, il rigole pas, il rigole pas. Voilà, puis avec une belle affiche comme d'habitude. Il y a qui c'est? Alors, qui c'est? Alors, il y a Gun en tête d'affiche. Attends, attends. Pardon. Recommence. Oui. Il y a. Il y a qui, En tête d'affiche? Gun. Alors, laisse-moi pousser mon petit hurlement. Gun! Les putain, Gun, c'est l'un des plus grands groupes de la Terre! Putain. C'est pas faux. Voilà, classe, c'est bon, les tu mecs peux continuer. Ah, voilà. Pas j'ai mal. Il voilà. Y a toujours une belle affiche. Ouais, ouais, ouais. Alors, ensuite, il y a les Suédois de Crush. Crush. Voilà. Okay. Il y a aussi les Espagnols de Black Hole. Ok. Voilà. Écoute bien, Marcus, parce que moi, je sais le groupe qui arrive, on les connaît. Vas-y, vas-y. Et en ouverture, bah, toujours un groupe français, okay, ou, ouais, régional. Ouais. Et là, ce sont les Freak Show. Les Freak Show. Eh ouais, Freak Show. Freak Salut Show. Les gars. Salut les copains. C'est bien, je pense. Voilà. Et qui patiente, parce que, oui, ça fait un petit moment qu'il devait passer, ah, avec, ouais, la, ouais, Covid. Avec ce qu'on sait. Avec ce, voilà, qu'on sait. Avec ce qu'on sait. Superbe affiche. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des affiches précédentes? Parce que t'as toujours, et vous avez toujours, puisque vous êtes plusieurs, vous avez toujours le bon goût de faire passer des groupes que nous, on adore. Hein, c'est pas black metal, c'est pas trash machin, bidule, tralala, machin, les castagnettes, c'est toujours du classic rock comme classic on l'aime. Rock, il y a, ouais, eu qui avant un petit peu comme artistes qui vous ont marqué là? Oh, il y en a eu beaucoup, hein. Tu veux les citer? On a Sons of Liberty par exemple. Sons of Liberty, ouais. Grand Slam qui va passer après. On a fait venir Chakra, les Suisses, on a fait venir Electric Boys, wow, qui vient de Suède. Wow. Qui est-ce qu'on a encore, Bonafide. Et toujours, la petite particularité, c'est qu'on a essayé toujours d'avoir un groupe régional, ouais, si cela est possible, et français qui démarre. Vous mixez à chaque fois le festival. Les pointures. Toujours quatre groupes. Absolument, absolument. Quatre groupes à chaque fois. Quatre groupes. Alors avant, on faisait sur le vendredi et le samedi, ouais, sauf que bon. La salle est en travaux et que bon, le vendredi et le samedi, c'est un peu galère parce, d'accord, que comme vous savez, organiser les festivals avec une association, c'est bien, mais il faut du monde, il faut des bénévoles. Et vous êtes combien dans l'asso? Dans le bureau, on est 6 ou 7, je ne sais plus, 7, ouais, on est 7 dans le bureau. 7 dans le bureau, et je suppose que monsieur le président, là, lui, il a le grand, ah, bureau. Monsieur le président, il a le grand bureau, il a le grand bureau. Attends, 7 dans le bureau, mais combien la buvette? Combien la buvette? La buvette, oh là 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 là, bah, comme ici, il y a Pierre, il y a Paul, il y a 192. Jacques, ouais, tout, c'est donc, ça. Donc, Bully on the Rock, ça a combien d'années approximativement d'existence? Bah, en fait, nos 10 ans en octobre 2023. Ouais, quand même, 10 ans. Il y a 10 ans. Ah bah, happy birthday. Happy birthday, les gars. Merci. Mais un petit détail quand même, c'est que le Bully on the Rocks s'émane d'une association qui s'appelle la H2MO, la Heavy Metal Maniac Association, uh-huh, qui est née en 1985. Donc bon, ah, ouais, ah oui, ouais, ah oui, il y a pas photo là, là on est des vieux briscards, hein, donc, vous êtes les vieux briscards. Ouais, ouais, ouais. Mettez un peu ce t-shirt, le gars, il a fait Port-Val avec Franck Marino, ouais, celui... Riot, Ozzy, alors, tout ça quoi. Je vais rassurer tout le monde, c'est pas celui d'origine que j'ai sur moi. Ah ouais, je sais, mais il taillait un peu plus petit. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ouais. Si ce n'est pas le plus beau. Et c'est ça, hein, monsieur le président, et toi, c'est ça qui vous pousse toujours à organiser, à vous faire chier, à prendre des risques. Ah, tout, hein, à fait, tout à fait. Pour revivre ces moments-là, quoi, avec les groupes. La passion avant, voilà, passer du bon temps. Passer du bon, ouais, temps, ouais. On est bien entouré, donc bon, voilà.
On espère que ça dure le plus longtemps possible. Après, il faut voir si nous on suit, si nous on tient, on verra bien. Bien sûr qu'ils vont tenir. Et il faut y aller. Et voilà, si vous voulez que ça continue, il faut y aller. Faites le déplacement quand même. À Bully, c'est à combien d'heures de Paris? C'est à 2 heures de Paris. À Bully-les-Mines, il y a 2h30. Il y a 1h30, on va dire. C'est rien du tout. C'est l'équivalent comme pour aller à Fismes. C'est l'équivalent de passer une heure sur le périph' pour aller se faire chier. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais après, vous arrivez, vous êtes bien accueillis, vous inquiétez pas. Ah, ça me plaît. Est-ce que vous avez un message pour les futurs festivaliers qui vont venir à Bully? Vas-y, c'est le moment, monsieur le président, et toi, là, un message conjoint pour les faire venir. Vas-y. Bah, je dirais que venez découvrir le Pas-de-Calais, venez découvrir le Bully and Rocks. Ouais. Et venez découvrir les super gars qui nous entourent. Les bénévoles de la H2MA, donc de la Heavy Metal Maniac Association, pour qu'on puisse vraiment partager un moment de joie et un moment de rock'n'roll et voilà. Un moment de classique rock comme on aime. Voilà, tout à fait. Et pour avoir tous les renseignements, on vous trouve sur les réseaux, sur internet, tout ça? Facebook. Alors après, il y a notre le vice-président qui lui est même monsieur Marc Lemort. Où il a un site, il a un Facebook également, et il a également un site de vente de CD. Vous pouvez le trouver aussi, celui, parce que lui, il a beaucoup de filons. Ouais. Les gars, c'est un plaisir de vous avoir. On sait à peu près tout sur le fest. J'espère qu'on va pouvoir venir si on nous libère, et parce que là, je suis en cheville avec le président de Bully, si tu vois le mec. Grosse enveloppe et tout, j'étais obligé de l'arroser un petit peu. Tu sais, la corruption, hein, de nos jours, tu sais ce que c'est. Ouais. On était très contents de vous avoir. Il y a une tradition, comme tous les artistes qui passent ici, et des artistes vous en aident, parce que pour faire ce truc-là, il faut mettre ses cacahuètes sur la table de temps en temps quand même. Spencer, tu leur dis ce qu'il faut faire à la fin. Ah bah c'est facile, vous connaissez le mot rock'n'roll? Quoi? Vous connaissez le mot rock'n'roll? Rock'n'roll. Et bien le principe, on fait un petit décompte et on le gueule le plus fort possible. D'accord. Ouais, je fais le décompte. Allez, vas-y, Marcus. 3. 2, 1, Rock'n'Roll! Et voilà, Bully on the Rocks, c'est comme le Martini on the Rocks, mais avec du classique rock dedans. Merci, président. Merci monsieur Lemort. Merci, mon Martin. Un plaisir. Merci à vous retournez les oreilles, je t'assure, il gueule 10 fois plus fort que certains groupes. Ça marche. À bientôt, les copains. Salut. Au revoir. Ciao. Merci. Ciao. We're gonna rock. We're gonna roll.